Donc, pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes chaussures qu'il y a quelques mois. Donc, cette fois-ci, on va vous montrer, avec toujours en aérosol, comment je vais redonner de la couleur bleue à ces chaussures. Donc, c'est le ravivant avec un colorant bleu. Donc, on remue 5-10 secondes. Là, je vais appliquer sur cette chaussure-là pour vous montrer. Alors, ça fonce beaucoup au début. Mais vous inquiétez pas, après ça va sécher. Mais là, on ravive bien la couleur, mais on garde surtout l'aspect daim. C'est ça qui est très important. Hop. Donc, si vous êtes comme moi, vous colorez l'aspect en même temps, ça fait joli. Là, vous laissez sécher 5-10 minutes et on va vous reprendre la vidéo une fois que ça sera sec pour que vous puissiez voir la différence. Donc, vous voyez. Là, la chaussure, je ne l'ai pas mis de couleur. Ici, j'ai mis de la couleur. Donc, bon, elles n'étaient pas très usées, mais vous pouvez voir quand même la différence quand on met du ravivantin et quand on n'en met pas. Donc, sur la face avant, c'est un peu plus foncé parce que c'est peut-être pas tout à fait sec. Après, vous pouvez vous amuser à regarder les lacets. Regardez, on a mis de la couleur dans les lacets vont absorber également. Voilà. Donc, ça sert à ça, un ravivantin. Remettre de la couleur. Et vous, si vous pouvez toucher, c'est très très doux. Toucher, c'est merveilleux, c'est doux. Voilà.